orques. Oh putain, ça caille. Ça caille ce soir. Ça caille, caille.
Thank you.
Bonne nuit. À demain. Hey, Ophic. Salut, salut. C'est pas assez en fait. Ça va être dur d'attendre juin pour montrer le dessin. Thank you.
Avec les crayons de couleur, oui, ça va plus vite, oui, bien sûr. J'ai besoin du stylo noir quand même pour garder les choses. Comment dire? Que les choses aillent ensemble, quoi. Je pense que si je fais le fond que au crayon de couleur, le frangin et la belle-sœur vont se retrouver devant un espèce de papier peint bizarre en forme de. Avec des motifs de forêt dessus. Au lieu d'être carrément dans le dessin, quoi. Donc. Faut quand même qu'il y ait un peu de stylo. Mais ouais, le crayon accélère le processus et en plus permet d'avoir quelque chose d'un peu plus doux derrière, quand même. Malgré que je rajoute un peu de stylo pour contraster légèrement.
Manu. Si, je fais les deux, comme ce matin et cet après-midi. Je mélange. Ouais, ça souffle dehors aussi chez nous. Arrivé d'un coup à 19h et il faisait 21. Ah ouais. Ah, il faisait trop chaud d'un coup là. 21, putain, mais. Je crois que on a dû avoir 16 aujourd'hui, nous. En tout cas, là, c'est ce qu'on a dans la maison et ça caille. Là, j'ai froid. C'est fou ça.
Et après orage. Ah oui, forcément. Je vais pas être taroli moi ça. Hein. Je commence à sentir ma journée de dessin. Ouais, je te crois bien. Et j'ai envie de me faire le TRTT là. TRTT, c'est ça? Alors donc, on a Buffet là. On a des grosses fougères ici. On a une jambe là. T'as vu, c'est beau OSL. Hein. On dirait que les sabres sont allumés. Tu vois ce que j'ai envie de faire pour mes figurines? Je crois que c'est un peu trop long là, carrément même. Pourquoi est-ce que je m'emmerde? Je vais plutôt le décalquer ce truc là, moi. Calque dans le coin. Là, il y a des seins. Ça irait plus vite si je le calcule. Ah.
Bon, c'est quand même une forme bien spécifique. Ce serait dommage que les deux fans de Star Wars qui se figurent sur ce dessin me reprochent de ne pas avoir su dessiner le TRTT comme il faut. C'est quoi? C'est un véhicule. C'est un véhicule de l'armée de l'Empire. Les grands méchants. Qui est là depuis un bon petit moment maintenant. Donc la nature a repris un petit peu ses droits sur ce véhicule. Partie du décor maintenant. Avoir la forme générale bien posée parce que ça a quand même une forme bien spécifique, donc si on le reconnaît pas derrière.
ici. Ok. Ok. J'ai eu le temps de regarder mon chef-d'œuvre. Ah merde. Non, j'ai pas eu le temps de regarder ton chef-d'œuvre. Je vais regarder tout de suite. Comme ça, je te donne tout de suite mes retours.
l'impression qu'on a une roue avant qui est un peu voilée. Pourquoi? Je sais pas trop. Ta roue avant s'est un peu voilée, mais c'est beaucoup mieux au niveau des couleurs, des teintes. Les teintes sont beaucoup mieux. Je pense que tu peux foncer encore un peu sur la face du corps de la locomotive, côté roue là justement. Je pense que cette partie là peut foncer encore un petit peu. On est bien hein. Non, c'est chouette. C'est chouette, bravo. Les lumières sont bien. Ouais. Fais gaffe que tes nervures partent vers le même point de fuite. Ça évite d'avoir des effets un peu bizarres. Et puis bah, fais-nous une ligne de vue un peu plus droite, comme ça. Parce que je crois que la ligne de vue à gauche est plus haute que celle de à droite. À moins que ça soit la feuille qui est pas droite, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est pas mal du tout. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. C'est propre. Oups, attends, j'ai pas fini. Un peu et la ligne de non pas la roue pas la roue la face du train qui est contre les deux roues là justement là tu peux foncer un petit peu parce que comme tu es à l'ombre des roues tu veux foncer encore un peu pas grand chose hein, mais juste encore un peu. Non, la roue me semble assez foncée comme ça. Soulagé.
C'est bien que tu continues à dessiner. Malgré que ça soit pas ouf en ce moment. T'occupes l'esprit, bah c'est très très bien. Bonne occupation. Tu devrais peindre de la figurine. Moi, ça me détend. J'ai les doigts gelés. Ouais, et puis du ORL et OSL et whatever. C'est pour ça que je progresse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, et tu bosses aussi, hein. Ah, donc, c'est normal. Pour progresser, il faut dessiner. Pratique, 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 pratique. C'est bien pour ça que je fais de la figurine tous les jeudis. Pratique, pratique, pratique. On peut pas évoluer en figurine ou quelles que soient les matières si on pratique pas. Donc le dessin, la figurine, la peinture en général, n'importe quel craft, n'importe quel sport, si on n'y passe pas du temps à s'entraîner, on progresse pas, n'est-ce pas?
Bah, il croit que c'est facile parce qu'il regarde les gens faire et ça a l'air facile. Mais c'est vrai que quand on connaît pas trop le sujet, on se doute pas que pour que ça ait l'air aussi facile à faire, il y a des heures et des heures de pratique derrière, quoi. Ouais, mais on en revient au même, hein. On revient au même problème. Après, tu vois, vous regardez dessiner au stylo B, il y a beaucoup de monde qui s'y est mis, hein, depuis 2007, 2005 même. En 2005-2006, sur la toile, au niveau stylo B, il n'y avait rien. Il y avait un Américain qui se l'a pété. C'est avéré être un gros con. Un mec un peu trop catho. J'ai rien contre les cathos, mais lui, il était un peu extrémiste. Américain et extrémiste, on veut ça. Puis bah, à force de monter en qualité, dessin après dessin, et les gens commencent à se dire, putain, on peut faire ça avec du stylo bille. Ah, bah, attends, faut que je l'essaye. Stylo bille, ça coûte pas cher. Allez, chat. Si on peut faire des trucs cool au stylo, moi je veux bien. C'est vrai qu'il y a un petit côté attrayant, le côté, ça coûte pas bien cher, quoi.
Après, si tu veux te faire une carrière dans les galeries, etc., je pense pas que le stylo bille soit le médium adapté parce que les galeries sont un peu frileuses du stylo bille. Ça fait près de 20 ans quand même. Les gens veulent sortir des sentiers battus. Près de 20 ans quand même, ouais. Et il est toujours là, le gars. La différence, c'est que Internet est rempli de stylographistes géniaux. Facebook, j'ai un album justement. Pendant un temps, j'ai collectionné un petit peu les dessins que je trouvais excellents au stylo. Les grands noms des stylographistes. Alors attends que je retrouve ça. Album. Ah, la galerie des maîtres du crayon graphite, non. La galerie des maîtres du crayon de couleur, non. Ah non. Merde, je croyais que j'avais fait ça. Ah non, j'ai fait ça au graphite et au crayon de couleur, mais j'ai pas fait ça au stylo. Il me semblait que j'avais une galerie au stylo aussi. Merde. Ah non, c'est peut-être sur mon truc de. Attends. J'ai une page exprès du dessin au stylo bille que je fournis plus depuis très longtemps. Alors voyons voir, c'est peut-être sur celui-là. Album. Ah voilà. Donc. Tiens, je te laisse regarder ça. Et encore, je me suis arrêté il y a un petit moment. Hein. J'ai commencé cette galerie en 2014. J'ai commencé cette galerie en 2014. Donc, mais j'ai complètement zappé et j'ai complètement laissé tomber. Pour te dire que il y a du lourd, hein. Il y a du lourd chez les stylographistes. Il y a des gens bien plus talentueux que moi. Ah non. Enfin, non, je peux pas dire ça, mais c'est juste qu'ils ont un style. Ils ont le style que j'aurais voulu pousser quand j'ai commencé. Et après, bah, comme on disait, j'ai fait le choix artistique de ne pas cacher les hachures, mais. C'était un peu. Ouais, il y a des trucs, des fois, je me dis. Bon, non, merde, ce crayon là. Si la mine casse à chaque fois que je le taille, je vais plus avoir de crayon à un moment donné. Après, bon. Ce qui est fun, c'est que la plupart des gens qui sont sur cette page ont commencé le stylo en me regardant travailler. Donc je me dis, wow.
Et j'ai pas ramené mes porte-mines, bien sûr. Parce que j'aime bien m'emmerder. On aurait bien avancé aujourd'hui. Hein. On a même un chat. Sorti de nulle part. On a bien 6 heures de dessin aujourd'hui. 6 heures de plus sur cette commande. Allez, un lundi de plus, on a fini là. Salutations les raiders, salut. Comment ça va? Un raid. Hello. Welcome raiders. Comment qui va?
Un petit raid avant d'aller au dodo, c'est beau ça. Hein? Toujours, c'est bien. C'est bien. Ça a bien passé ton stream? Travailler sur quoi? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Je t'embête juste un petit peu avant que tu ailles te coucher. Moi j'ai froid. J'ai hâte de finir aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Hommage à Chewbacca. Du coloriage sur du Kirby Rosan. Oh, je connais pas trop les artistes qui font des coloriages, qui font les dessins de coloriage. C'est une spécialiste, enfin, elle est spécialisée dans le dessin pour le coloriage, cette dame? Ou c'est une illustratrice tout court? La mise en couleur. Et une différence, attention. Bah, j'avoue que moi, par exemple, je fais quand même une distinction entre le coloriage, c'est-à-dire des aplats de couleurs comme font les enfants dans les livres de coloriage, et de la colorisation. Mettre du volume, faire des effets de relief, enfin tu vois quoi, faire quelque chose de ce dessin, de l'utiliser comme image de départ et en faire quelque chose de, tu vois, de terminé quoi, pas juste des aplats de couleurs. C'est un illustrateur qui fait des livres de colo, mise en couleur, pardon. Mise en couleur, c'est moins péjoratif, ouais, c'est sûr. Coloriage, ça fait trop truc d'enfant. Une coloriste, en fait, hein. Tu fais le boulot que ferait une coloriste en BD. Quand t'en es rendu et que tes modos t'engueulent, c'est soit que t'es fatigué ou soit que t'es un peu tête en l'air. Coloriste, j'aime bien. Ouais. Bon, et les autres, ça va? Ça doit être assez satisfaisant quand même de regarder quelqu'un coloriser un dessin. D'avoir le dessin de départ et voir jusqu'où tu l'emmènes, c'est assez satisfaisant. Je sais que moi j'aime beaucoup. Je pense que si j'avais un boulot à faire en tant que dans la BD, ce serait ça. Même si c'est pas le boulot le mieux rémunéré. Mais je pense que c'est celui que je kifferais le plus. Ou les deux, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Ça arrive aussi, hein. Moi, c'est mon état naturel, donc je peux comprendre. Oh, par exemple, aujourd'hui, j'ai failli rater l'heure parce que Manu, ici présente, n'était pas là pour me dire que c'était l'heure, quoi. Et
tu commences à t'appuyer un peu trop sur les gens qui sont autour de toi, c'est pas bon. Tu regardes plus ta montre, tu t'en fous. Il y a quelqu'un qui va remuer des petites pièces d'or en disant il est l'or. Manque de bol, cette personne n'est pas là. Elle est Faust. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Donc là, l'idée, c'est que le TRTT, c'est ça? Je sais, je me rappelle jamais du nom de cette machine. Le TRTT soit un petit peu. Enfin, il est visible, mais bon, voilà, il fait partie du fond, quoi. En même temps, nous, les modos, on gueulerait peut-être moins sur nos streamers s'ils se comportaient pas comme des gosses. Hein. Je suis en lurk depuis pas mal de temps, je casserai du plastique avec mes pinceaux. Je caressais du plastique, pardon. Je me disais, mais pourquoi il casse du plastique? Je caressais du plastique avec mes pinceaux. Ah, c'est beau. Ah ouais, j'aimerais bien, j'ai envie de peindre là. Franchement, ça commence à devenir un truc qui grossit là chez moi. Le jeudi commence vraiment à devenir une journée que j'apprécie énormément. Grâce à la peinture figurine. Parce que ben figurine après figurine, il y a des choses qui cochent dans ma tête. J'ai un peu plus de confidente. Comment on dit en français? Je m'en rappelle pas. Bref. Je suis un peu plus confiant, voilà, on va dire. Et là, je rigolais parce que ben, j'étais assez content de mon Fimir. Et puis, j'en ai vu un sortir du net un peu. Et j'ai fait, oh. Tu peignais des bonhommes, quoi. Ouais. Ah, et là, je me suis dit, ah, mon Fimir, il est bien naze, en fait. Putain. T'as des gens qui te peignent des figurines HeroQuest. Comme si c'était des figurines de 70 mm, quoi. Mais moi, je peux pas faire ça. Mes yeux, ils veulent pas. Ok? Même avec des lunettes. Parce que j'ai les lunettes qu'il faut. Les grosses lunettes, là. Pour voir de près. Maintenant. Enfin, tu me diras que ça fait longtemps que je les ai pas ressortis. Il faudrait que je réessaye. Après tout. Ça se trouve, ça marcherait mieux maintenant. Pourquoi c'est pas de la gravure de Fifou? Ah, mais justement, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. C'est parce que, eh ben, pour que la figurine soit belle, il faut que je rajoute du trompe-l'œil, tu vois. Et c'est un peu ça qui m'inquiète, n'importe quoi, c'est l'opposé. Qui m'intéresse un petit peu dans le processus du moment, c'est créer ce trompe-l'œil. Et c'est tout à fait ça, la NMM, l'OSL, rajouter des plis, des choses comme ça. Et alors là, bah, c'est là que je me dirige, tu vois. C'est là que je me dirige parce que cette technique de peinture-là est beaucoup plus a beaucoup plus de sens que de juste aller mettre un coup de rapid painting, je sais pas quoi là. Allez, je file, bonne soirée, bonne nuit, Keldeorn. Et merci pour le raid encore. Moi, je vais pas tarder. Ouais, il est 20. Parce que, autant que une belle figurine bien sculptée,
Tu fais une peinture de merde dessus, ce sera une figurine merdique. Une figurine merdique, tu mets si tu sais bien faire et que tu la peins comme il faut, il y a moyen qu'il y a quelque chose qui en ressorte quand même. Ah bah, je me compare pas, mais ces gens-là m'inspirent à me dépasser, tu vois. C'est ça le truc. Quand je les vois, je me dis, ah ouais, donc je pourrais faire ça, comme ça. Tu vois, le Fimir, là, j'ai vu des trucs, je me suis dit, putain, je pourrais pousser encore plus le contraste sur la peau aussi. Plutôt que de me concentrer, parce que pour l'instant, je suis hyper concentré sur le NMM métal les lames, etc. D'ailleurs, là, je me suis rendu compte que mon blanc avait grisé, donc du coup, j'ai même pouvoir revenir un petit peu sur ma lame et rajouter du blanc parce que ça s'est un peu estompé dans le gris. Donc je pourrais rajouter un peu d'éclat. Et là moi j'étais assez content. Ouais, j'ai vu passer un truc, j'ai fait ouh! Et alors, attends, Manu, tu m'avais demandé de te retrouver. J'ai retrouvé un Fimir de l'époque quand j'étais petit. Un rescapé de mes figurines HeroQuest de l'époque. Attends, je te fais le point. Je te fais le point sur cette œuvre d'art. Alors, attends, si j'arrive à trouver le bon truc. Ah, voilà. Oui, non. Là. Voilà. Bon, il a perdu sa lame, mais voilà la peinture que je faisais. Ah non, 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 mais moi au contraire, ça m'inspire. Voilà ce que je peignais quand j'étais drôle. J'en étais assez content d'ailleurs. Bon, bah, il y avait quand même une petite iris dans l'œil, hein. Une petite patine sur le doré, il n'y a rien du tout sur la peau, petit brossage à sec quoi. Ben, ça faisait le job pour jouer, mais si tu vois. Alors là où je suis content, c'est que mon doré à droite est plus propre que mon doré à gauche. Alors que mon doré à droite n'est pas un doré, mais un NMM, et que le doré à gauche est un vrai doré. Mon lit m'attend depuis un petit moment. Bonne soirée à toi et à bientôt. À bientôt, bonne nuit. Merci, merci. Donc oui, effectivement, perso, bon, voilà. Je préfère quand même là où je suis aujourd'hui. Préfère quand même. Alors là où je pourrais par contre faire des progrès au niveau de l'œil, parce que le gars que je regardais tout à l'heure, moi j'ai juste fait du rouge. Moi j'ai juste fait du rouge sur la pupille, tu vois. Mais le gars il a fait un espèce de rose aussi sur les bordures qu'il y a autour là. Et je me suis dit putain, c'est carrément chouette. Et donc j'ai bien fait de pas peindre tout, mais. Et c'est pour ça en fin de compte que je vais pas les peindre comme ça à la chaîne. Parce que j'en ai 6 quand même, hein, des Fimir comme ça. Je vais pas les peindre à la chaîne. Je vais les peindre. Et puis après, je vais peindre d'autres trucs. Comme ça va me permettre de voir que au deuxième Fimir, est-ce que. Oui, bah, et c'est un début. Et c'est ce que je te dis. Le truc, c'est que le blanc, mon blanc, il s'est grisé. Donc, du coup, il est plus aussi éclaté. Enfin, il brille plus autant que. Donc, je vais revenir dessus. Là, c'est mon premier NMM que je suis pas trop mécontent. Le doré, j'étais plutôt content. Ah, tu crois que je pourrais encore pousser le doré? Trop timide encore. Ok. Bah, de toute façon, on a bien vu comparé à. C'était une autre figurine que j'avais. Ça manquait encore un peu d'éclat, effectivement. Alors,
Ce qu'il faut que je trouve, c'est le bon jaune, les bonnes couleurs. Pour l'instant, mon jaune est trop pâle. Il est pas assez, comment dire, descendre en valeur pour le bas et monter un peu en haut. Là, tout le doré du bide est la même valeur. C'est pas logique. Tu as trop étalé tes couleurs claires. Ah ouais. Pourtant, je sais pas ce que ça donne à l'écran, mais mon jaune qui est en dessous est plus foncé que le jaune qui est dessus. Mais c'est peut-être pas assez, c'est pas assez visible. C'est ça que tu dis. Ok. Donc cette technique ne demande qu'à continuer à pas évident à la cam. Non, c'est pas évident. Mais bon, c'est bien parce que ça va continuer à évoluer. Disons que là, avec celle-ci, je commence à être content de ce que je fais. Voilà, ça commence à venir. On est encore très loin de jusqu'où j'irai, je pense. Ouais, ma caméra n'aime pas le jaune. Pour là, je pose du blanc sans le fondre. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'en avais mis, mais je pense que le gris avait pas encore bien séché, donc du coup, il s'est un peu fait bouffer. Ouais, un peu moins bien fait de l'autre côté d'ailleurs. Bref, ça évolue dans le bon sens. J'en suis bien content. On va revenir là-dessus pour terminer. Oh là, j'ai l'impression d'avoir enlevé mes lunettes. Alors, boum. Fermé. Alors, oui, ça. Ou en lissant tes teintes, tu as trop mordu le blanc. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Tu n'as pas mon grand de figurine, de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle me dit, Manu? Là, 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 là. Pour le NMM, tu peux tricher en cherchant des fils peintes en NMM et tenter de comprendre. Bah, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et j'ai compris un truc assez rigolo. Et c'est pour ça que ça commence à fonctionner. Ce que j'ai compris en regardant quelques tutos, bon là on voit plus parce qu'il va faire le point, mais c'est que en fait c'est un espèce de domino en fait. J'ai mes couleurs, la couleur foncée est un dégradé foncé clair, et du coup en face t'as un dégradé foncé clair. C'est toujours en opposé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur la tranche là c'est foncé et là-haut c'est clair. Et du coup, là, sur la face plate, c'est foncé en haut et en bas, c'est clair. C'est toujours en opposé, ce qui est complètement illogique en réalité, mais qui fonctionne assez bien, sur ce type de d'armes. C'est ce que j'ai commencé à faire. Là, je suis en train de faire un orc. Ouais, on va y aller. Je suis en train de faire un orc. Et donc, du coup, je suis en train de faire aussi là, sur la... En bas. Lors de se réveiller, Monseigneur. En bas, on a dégradé son feu. Conseillerais même sur une même zone d'alterner. Ben, j'ai essayé, j'ai un peu de mal. Je t'avouerai que je suis pas très fan du visuel. D'ailleurs, c'est là que j'ai essayé. Là, on est du clair, on fonce un peu, on reclaire un peu. Et donc, j'inverse le process sur la tranche. Mais reproduire le NMM, ben c'est un peu ce que j'avais commencé à faire, c'est ça qui est rigolo. C'est ce que j'ai commencé à faire avec le Fimir.
on avait un fumier avec le vide, avec un doré plat. Et c'était vraiment un doré, juste doré quoi. Mais avec la lumière, ça faisait des chouettes effets. Et en fait, je mettais le fumier avec le bit doré à côté du mien et on regardait à l'écran ce qu'il faudrait que je rajoute et que j'enlève pour avoir le même effet en fait. Bon, j'ai pas réussi forcément à aller jusqu'à ce que ça soit exactement la même chose parce que je me rends compte que voilà, comme je disais tout à l'heure, il manque un petit peu de quelque chose dans mon jaune pour qu'il soit plus chaleureux. Mais on y vient. Je pense que je suis sur la bonne voie. Tu as le Merlin aussi, qui n'est pas un Merlin. Ouais, alors lui, il est de retour dans sa boîte. C'est un des sorciers de Morcar, ouais. Alors, donc... Donc, on va regarder qui c'est qui est en ligne. Et puis on va aller se faire un petit dodo. Votre corps a des ressources extra. What? Non. Là. Oui. Wouh. C'était quoi ça? Merci. Le dessin, ça va, ça je sais faire. Alors, donc, on disait que c'était en ligne. On a le joueur du grenier, mais lui, il a pas besoin de moi. On a Anthony. Claire, non. Armaros. Qu'est-ce qu'il fait, Armaros? Ah ben, il est en train de teindre la figurine, justement. Est-ce qu'on irait pas voir Armaros un petit peu? Ou alors... Ouais, on va aller voir Armaros. J'ai jamais raidé Armaros. Je crois pas, en tout cas. Bon allez, à bientôt, merci beaucoup d'être passé, moi je reviens jeudi avec ma fameuse journée peinture figurine, jeudi matin à 9h30 et 14h30 et jeudi soir je continue ce dessin. Bonne soirée, à bientôt, des gros bisous et passez un bon milieu de semaine, un bon mercredi. Allez, salut, la bise.